reste pas contre, contre Kirby et contre deux Bowser d'affilée, mais sinon j'adore mal. Aïe, bien sûr que non. Mais si tu veux, si je pense que le rêve existe, je vais te donner ceci. Regarde bien à quel point le rêve, à quel point le rêve n'existe pas quand on parle du Arima Chirurgien. Chirurgien en 12 rencontres et en 38 sets n'a pas gagné une seule fois contre Chirurgien. On espère contre qu'il brise la malédiction maintenant. C'est peut-être le moment, mais il faut savoir que Chirurgien, et c'est la stat, en plus d'un an de compétition, un an et demi maintenant, n'a jamais gagné contre Arima. Peut-être est-ce ce soir. Le rêve prime, surtout après une victoire aussi écrasante contre No Colors. Mais le rêve n'existe probablement peut-être pas. Non, pour non, un tel dévoreur. Kazuya, il a le droit à tous les rêves, il a le droit à tous les coups, il a le droit à toute l'armor disponible sur le jeu. Bon, ok, je me fais curse à ce moment-là, s'il mais... S'il y a bien un personnage qui ne rêve pas et qui peut dévorer le rêve, c'est Inkling. Un personnage qui a l'air foncièrement sympathique comme ça quand on le regarde. Regarde, il est tout mignon. Non, c'est un vrai petit salopard. C'est l'un des personnages les plus salopards du jeu. Je déteste Inkling. J'adore Inkling. C'est un vrai salopard, j'aime beaucoup. Un peu vicieux. C'est un personnage de vicieux. Et là, on le voit. Hein. On le voit, cette game qui se déroule. On a parlé pendant... Quoi, 3 minutes 2 minutes même. 3 minutes et... Déjà fin de 5 minutes 53. 5 minutes 53 au compteur. C'est une dinguerie. C'est un clip pour Yit. C'est une dinguerie, ce n'est pas possible. Est-ce que... Est-ce que le rêve existe? Je ne crois... Oh, rush. Ça fait des tricks en plus. Ah mais là, là on a... Oh, mais, non mais... C'est chaud. Non mais... Je vais dire non mais en boucle comme ça jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. Non en fait. Mais fin... Non mais fin... Fin... Bah, je vais bien rigoler 5 secondes. Mais là, on ne dahack pas en fait. De quoi? Oui. Le rêve n'existe pour la buvette nullement, mais alors il existe, mais alors vraiment pas. Allez, vas-y, soyons fous. Eh bien, mesdames et messieurs, nous venons Nour d'apprendre Tarinem que... qui face. Ah ah. Se pourrait-il qu'il n'y ait pas mon pseudonyme? Aïe, aïe, aïe. Tu es un... Tu es donc un... un petit... Non, mais enfin... Non, vraiment. Là, aujourd'hui, je porte les couleurs de Keyface, j'ai pas honte de le dire. Ah ouais. En vrai, les gars, il est tard. En vrai, Keyface à vie. Quoi? En vrai, boulot, non? Débat parallèle ou pas? Débat parallèle, Keyface. Ah, on l'embrasse. Le joueur de Felinferno qui nous a fait une vraie run aujourd'hui. Ouais, qui nous fait que des dingueries en ce moment. Il a battu de très bons joueurs, notamment Dreamia, la chic du vendredi, qui est une véritable terreur. Oh! Non, mais ça recommence! Non, mais en parlant de terreur, non, mais wesh! Arrêtez! Non, mais on l'a déjà vu! Laissez-le tranquille! J'ai déjà vu cet épisode! Vous voyez pas qu'il est apeuré, ce pauvre animal? Oh non, c'est triste! Excuse-nous, pardon. Petit mix-up! Attention, parce que c'est un battant. C'est un dévoreur, c'est un vautour, mais c'est un battant également, cher Rochin. Mais là, on peut le voir, hein, évidemment, c'est dur. C'est une horreur. Je n'ai pas envie de jouer le match-up. Est-ce le match-up? Est-ce. Je ne sais pas. Est-ce le match-up? Est-ce que joueur Arima joue juste beaucoup trop bien contre Kazuya? A-t-il fait ses devoirs d'une puissance cosmico-cosmique? Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est super dur. C'est super dur de la part de notre cher chirurgien là qui peine à trouver les réponses. Voilà, petit up smash en couverture. On s'assure que le squid ne... Ah bah, petite ledge trap. Ledge trap égale fin de stock généralement. Tout ceci est si dur. Sachant que là d'où nous avançons pour... Ces deux là vont devoir aller chercher... Rehan, le gagnant de ce match-là, ira... Donc Rehan est en grande finale, c'est ça? Est en loser finale. C'est Dizay, du coup. Qui est en grande finale. C'est un drum final. Est-ce que Dizay va encore gagner Ça fait combien de fois, ça? C'est 2 GTN ou 3 GTN qui gagnent de suite? C'est vrai? Ah, je crois que Dizay, il est sur une... Il gagne un truc, non? Il gagne pas un truc? Une saucisse? Comment ça, mon ref? Non, il y a rien à gagner. De... Il me semblait. J'ai les clés pour la caisse... Elles sont juste là. Tiens. Et... Hop. Oh, le chat, vous dormez ou pas là? Merde. Comment ça, je suis encore bourré avec la cam de chien? Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Tu es encore bourré. Et oui, la stat est là, la stat est effrayante.
Ah non, mais il y avait un petit effet Van Gogh quand même sur la cam. Moi j'aimais bien. Hein. Sachant. Elle est bien de ce côté, on est d'accord. On est d'accord. Oui. Non mais attends, on a affaire à un truc de ouf là. D'accord. On a abandonné le Kazuya. Ah, on a pris le Captain Fact. Et on va vivre son rêve à fond. Ah bah là, il a décidé de rêver de prendre Falcon. On les connaît hein, ces gens comme ça. Hein. Généralement, soit ça se fait ultra tarté, soit ça marche. Mais soit ça marche, mais vraiment sur le fromage le plus cheesy, si je puis dire. Ah bah là, c'est quelque chose. S'il faut en arriver à de telles extrémités, c'est que là, on a plus de solution. On est apeuré. C'est l'énergie du désespoir, justement, qui s'exprime. Merci beaucoup. Nonocolores s'est fait upset par un Luigi à la dose de sel. Alors, il faut savoir que Nonocolores s'est fait upset par l'intégralité du peuple lyonnais, moi compris aujourd'hui, puisque je vais juste prendre game en triplet en fait. Donc, attention. Donc, vous parlez pas à n'importe qui, ça, c'est moi qui vous le dis. Et oui, Nonocolores qui. Oh, oh mais non, parce qu'en fait, il clique, ça revient des limbes. Nonocolores qui a cette fâcheuse tendance à se faire upset, entre guillemets, un peu par n'importe qui. Genre, il peut littéralement gagner contre n'importe qui et se. Perdre contre n'importe qui. Je sais pas si j'aurais aimé avoir ce super pouvoir, tu vois. Moi je pense pas, il doit être terriblement frustrant d'avoir un tel pouvoir. Tu dois jamais être sûr de ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, les gens qui te connaissent savent qu'ils sont jamais sûrs de ce qui va se passer. Ah, voilà. Hop là, petit mix-up de Rico qui permet de revenir tranquillement sur le terrain. Hop, on va. Oh, j'ai cru qu'il allait tenter le Nerwan Tuni. Le multi-jab. C'est comme le multi-pass. C'est le multi-jab. Alors il faut savoir que je déteste les gens qui font des flurry attack et des multi-jabs. Faites vos gentlemen en fait, vous me frustrez. Sauf Inkling, elle a le droit. Elle a le droit à petite mims. Non, c'est surtout pour la peinture que je disais ça. Ah ouais, bien. Pour la peinture, ça découpe. Eh ouais. Oh, petit down smash. Ça ne suffira pas. Oh ouais. C'est un des pires match-up de Falcon comme l'ensemble du cast en fait. Et non, parce que Falcon a plus 2 contre Karoul, je le sais. Ah ouais, tu l'as vu dans la vidéo de Fatality. Aïe, le bouillard. Oh, ce que c'est dur. Ça a été compliqué. Et c'est un nouveau 3-0 de la part de Harima. Alors Théo qui dit il t'a cassé la gueule pendant 2 heures avant.